Nous avons évalué donc nos réalisations de la période de janvier à juin 2023. Donc il était question de revoir dans les détails toutes les activités qui étaient programmées dans le cadre de ces contrats de performance et voir les niveaux de réalisation à date et aussi faire le point sur les forces, les faiblesses au niveau du département des transports, mais également nous projeter dans l'avenir pour dire un peu quelles sont les perspectives que nous avons vues au niveau du département des transports. Donc c'est une évaluation à mi-parcours qui s'est très bien passée dans une ambiance vraiment chaleureuse avec les évaluateurs, bien sûr sous la coordination du Premier ministre. Et puis nous espérons que cela va nous permettre de nous améliorer davantage dans le cadre de la reddition des comptes et de la redevabilité que nous devons tous en tant que ministre de la République au peuple de Guinée.